je t'aimerai. On est rendu
brisé. C'est bien comme ça, pas besoin d'avocat. Étrangement, tantôt, on parlait un pour toujours, mais là, on se sépare. C'est la chanson qu'on vient d'entendre. C'est bon, c'est loufoque, là. Je sais pas s'il y a un message là-dedans. Non, mais raconte. Et là, c'est Manon, en plus, qui a fait cette chanson-là. Encore une fois, c'est ma deuxième composition. Tu sais, pour toujours, on se sépare. Écoute, raconte-moi. C'est vraiment contraire à ça, là. Encore une fois, je sais pas. Il m'est venu des idées. Est-ce que t'étais? Il faudrait faire de quoi de comique, un peu. Fait que, bon, ben j'ai embarqué là-dessus, puis garde, c'était un bout de phrase. Là, je faisais du ménage, là, tu sais, ça travaille tout le temps là-dedans. Ouais, c'est ça. Fait que là, oh, ça fait... Alors, retourner l'écrire, continuer mon ménage, regarde, c'est quoi, ça T'avais fini. T'avais un air en tête à ce moment-là? Plus ou moins. Plus ou moins, mais tu sais, fallait que j'ai dit, faut qu'on se réponde, parce qu'en chantant du haut, c'est le fun aussi que ça soit. Pas juste backer l'autre. C'est ça, fait que chacun notre tour. On veut notre mot à dire, s'il vous plaît. Là, le titre, le monde l'appelle la chanson du petit chien. Ben, c'est ça, là. C'est pas le petit chien. Le petit chien. Tu sais qui c'est, quel chien que j'ai? Non? C'est moi. C'est... sur l'album, c'est lui qui fait du chien. Ah oui, pour vrai. Oh, ouais. Mais cette chanson-là, bon, c'est une chanson qui vous va bien quand même parce que ça l'amène à un côté humoristique dans vos spectacles. Oui. Mais parlez-moi de vos spectacles. Ça va quand même bien. Ça va très bien. Ça fait quand même longtemps qu'on se connaît parce qu'on vient de la même région. Je vais être Firmins, mais on s'est croisés souvent. Mm-hmm. Oui, bien, on a resté là 15 ans. En plus, vous êtes rendu à Drummondville. Oui. Vous avez déménagé, puis là, s'est rapproché à cause de nos spectacles un peu, parce que Ted Firth, c'est loin, chanter, c'est 3-4 heures de route. C'était toujours loin. Quand on était centré à Drummondville, ben là, on est proche. C'est ça. Puis là, à Drummondville, là, vous alliez faire votre spectacle. Ben oui, le 16 novembre, on fête nos 20 ans de carrière. Maintenant, ça s'appelle Au Vieux Clocher. C'est une ancienne église, puis ça va être bien le fun. On va avoir une belle c'est soirée. C'est l'ancien Jubé aussi. Oui, de, c'est ça. De le Jubé, là, c'est chez un propriétaire. J'ai déjà joué, là. C'est super beau comme place. Ouais. C'est super le fun. Ça fait qu'on s'organise une belle soirée. Oui, puis les gens de Drummondville sont adeptes de musique country. Ça, oui, c'est certain. Ah oui. En festival, vous en faites plusieurs quand même. On en a beaucoup là, cette année encore, 30 quelques. La soirée du 16 novembre, il va y avoir Danny Darèche, va être là, il va y avoir le Steve Desmarais. David, on attend une réponse de David. Ça dépend si c'est en Gaspésie ou pas. Là. On va aller les gens de notre coin de Thetford, les Patriots Country, vont venir faire leur tour. Oui. En tout cas, on va avoir une belle soirée. Ah, fait que là, vu qu'on est nouvellement arrivé à Drummondville depuis vous ce printemps, c'est ça. Là, on va s'adapter. Ils vont connaître c'est qui les beaux serons. les beaux serons. Ils vont, ouais. Vous êtes capables les deux, là, mais quand même, vous êtes de party, puis c'est ce qu'on voit en spectacle quand on vous voit. Ben, c'est ça, d'un festival. C'est ça. J'imagine qu'il y a un album peut-être de pensée pour 20 ans, 5e album. Pas nécessairement. Là, le dernier qu'on a fait ce printemps, c'est un hommage, un coup de cœur à Lévis Bouliane, un des pionniers. Il vient d'ailleurs de la région de Thetford-Main, de Disraeli. Fait que Réal l'avait connu un petit peu plus. Moi, personnellement, je ne l'ai pas connu, mais beaucoup de chansons sont c'est restées. C'est le patrimoine québécois. Là. Ben oui, ça fait que là, c'est ça qu'on s'est dit cette année. Ça a été notre petit cadeau d'un hommage à Lévis Bouliane, dont on va faire une chanson là, après l'entrevue. Ah, ben, Caroline. Mais en tout cas, je vous souhaite vraiment de bonne continuité. Merci. On peut avoir des renseignements sur Facebook. On a notre site Internet. Oui, c'est ça, je me demandais. Parfait pour avoir des informations pour vous. Facebook, moi j'ai le mien. Puis, ouais. Bien qu'on peut se retrouver là pour avoir vos albums aussi. Bien oui, Culture Country ou dans les festivals, la meilleure place. Et bonne continuité, merci beaucoup d'avoir été à l'émission En route vers l'Ouest. 1, 2... Partir. C'est vrai, mais tu ne veux pas.
regarde mes yeux, les larmes coulent à cause de notre amour qui s'écroule. Je dois penser à vivre seul. Garde-moi, tu dois partir. Si tu t'en vas, tu m'oublieras, mais tu vivras toujours en moi. Regarde au travers d'une fenêtre brisée, sous le coup de la colère, tu as tout saccagé. Et je vois dans tes yeux un afflux de rosée, vibration du cœur, reflet de tes pensées. Je m'en vais, tu ne me verras plus. Elle te l'a dit souvent, tu ne l'as jamais cru. Aujourd'hui tu assistes à son envolée. Elle franchit la piste, c'est déjà du passé. Elle s'en va
tu auras compris qu'il ne reviendra pas. Et ce sera pour toi le dernier tour de clé qui ouvrira ton cœur à d'autres destinées. Pour aimer. Vanessa Lavoie, tu viens de nous chanter une chanson de Patrick Normand, « Elle s'en va ». C'est une chanson coup de cœur pour toi? Oui, je l'aime vraiment beaucoup. Aussi, j'aime beaucoup Patrick Normand. C'est un de mes chanteurs préférés. Puis, je l'admire beaucoup. Donc, il a une belle voix. Je pense qu'on peut dire qu'il est unique oui, dans son genre. Il est vraiment unique dans son genre, vraiment beaucoup. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Non, jamais. J'aimerais ça que ça se passe très bientôt. Ben oui, je l'espère pour toi. Comment tu as commencé? Parce que bon, tu as 18 ans, mais ça fait quand même un certain temps que tu te promènes sur scène. Oui, ben dans le fond, j'ai commencé à chanter à l'âge de 6 ans. OK. C'était pas sur une scène, c'était à l'école. J'avais fait une chanson de Noël, personne ne savait que je chantais, même pas ma mère. Là. Pour vrai? Elle était vraiment surprise, tout le monde est allé la voir, puis lui dire « Wow, ta fille, elle chante bien! » Mais ma mère a dit « Je savais pas! » J'ai commencé à chanter, puis c'est à l'âge de 12 ans j'ai commencé les grandes scènes. C'était au Festival du Grand Gatineau à Masson. Mm-hmm. Puis ben, c'est là que j'ai commencé. Puis c'est Guy Marcoux qui m'a invité à son lancement de CD. Puis c'est là que j'ai décroché des contrats dans les festivals. Puis ça a commencé dans le country. Est-ce que c'est quelque chose que tu as choisi ou c'est parce que tu veux rester dans le country, tu veux pas faire de populaire nécessairement parce que t'es jeune, t'aurais le choix encore? Ah ben non, j'ai été élevée dans le country pas mal. Puis ben moi, c'est ma musique. J'écoute que ça du country. Là. Comme qui? J'aime mon artiste préféré, c'est Keith Urban. Ah oui? Oui, oui. Puis il m'inspire tellement. Je l'admire. J'ai composé une chanson. OK. Grâce à lui, c'est ma première chanson que j'ai composée, mais il manque juste la musique dessus. Puis c'est grâce à ses chansons, puis je me suis inspirée de lui, vraiment. Tu le fais en anglais ou en français? Parce en que anglais. Tu parles les deux, ouais, hein, évidemment. Hein? Puis justement, est-ce que tu aspires à vouloir performer en anglais éventuellement? Comment que tu oui, vois ça? J'aimerais ça aller rejoindre les stars de Nashville. C'est mon rêve d'aller à Nashville, Tennessee. Puis de percer vers la musique country anglais. Mais c'est sûr que j'aime beaucoup le français, donc je vais rester au Québec. Je vais essayer de faire plus de français éventuellement. Puis je suis en train d'apprendre des nouvelles chansons françaises, puis j'essaie de plus chanter mes chansons sur mon CD. Donc, Oui, c'est ça, parce que tu as des chansons quand même à toi que d'autres personnes t'ont écrit. Oui, oui. Combien je pense que tu as un album, c'est ça? Oui, j'ai un album. Je prends vraiment mon temps pour faire mon deuxième parce que je veux qu'il soit wow. T'sais, on cherche toujours un facteur wow. Mais, oui, c'est ça, mais même encore, c'est bien que tu prennes ton temps à savoir parce que, bon, tu es jeune puis tu as une belle voix, mais c'est de savoir qui t'es. Oui. Tu sais, qui tu présentes, Vanessa Lavoie, justement? Tu sais, on en parle. Tu peux-tu me dire. Comment tu penses que quand tu te présentes devant les gens, que c'est quoi les commentaires des gens, à part de dire « oui, elle chante bien, t'as une voix douce, t'es dynamique, t'es... » Comment que t'es sur scène? Je suis différente peut-être des autres parce que... Je sais pas, mais... ben, j'ai tout le temps... j'ai mon style de robe, t'sais, toujours court en avant, long en arrière avec mes bottes puis mes cheveux frisés. Le monde me reconnaît comme ça. Puis j'ai mon style à moi, je suis plus... country récent, moins traditionnel, plus énergique, puis
les gens me voient comme waouh là, quand je commence sur scène, c'est bonsoir tout le monde, puis c'est ma voix portante, puis le monde aime ça, puis là ça vient les chercher là avec des frissons. C'est ça qu'ils me disent, puis mais c'est le fun, tu te promènes quand même un peu partout au Québec, tu restes pas nécessairement juste dans ton secteur Gatineau. Non, mais c'est ça, ben j'aimerais ça aller plus loin encore vers comme. Mais là, c'est ça, je m'en vais à Val-d'Or dans 2 semaines. Oui? Oui. Ah, c'est le fun. C'est ta mère qui s'occupe de tes spectacles? Oui, c'est ça, depuis mon tout jeune âge, là. C'est elle qui s'occupe de moi. De mieux. Alors, bien, donc, on peut te souhaiter un album à venir, qu'on va connaître encore plus Vanessa Lavoie. Est-ce qu'il y a un site Internet qu'on peut avoir des renseignements? Oui, c'est le www.vanessalavoie.webs.com. Oui. Et bien, en tout cas, vraiment bonne chance. Puis continue, il nous faut de la belle relève, comme on dit. Et donc, merci d'être venu à l'émission En route vers l'Ouest. 1, 2, 3. Je vois la piscine à tourner, je vois débarquer son regard, mais vite à le saluer. Je suis tentée d'y aller, juste assise près de Western Star. Assise au comptoir, je vois à mes côtés ses caves solitaires, me demande d'aller danser sur des airs de ses amours passés. Puis cesse de me parler, car son ex vient d'entrer. Comment? Comprendre, mais l'amour joue les tours.